y a beaucoup de jeunes qui jouent au tennis, beaucoup d'enfants qui sont passionnés par le tennis. Et nous avons un climat qui est comparable à celui de la Costa Brava d'Espagne. C'est l'occasion de pouvoir le signifier et l'occasion de pouvoir le dire sur les ondes de télévision qui sont nombreuses à retransmettre ces matchs. Belle affiche dès les premiers tours avec un Français, Benoît Paire, face à Kachanov, le jeune Russe. Une autre affiche avec Chardy contre Granollers. Ça s'annonce vraiment alléchant dès l'entame de ce tournoi. Et puis de belles têtes de série avec Cilic d'un côté et Joe Wilfried Tsonga de l'autre. Sacha Zverev et Richard Gasquet, donc les quatre premières têtes de série qui commenceront que mercredi ou jeudi. Donc voilà, c'est un tableau bien équilibré et avec de beaux matchs qui s'annoncent. Sur le tableau, c'est un très beau tableau une fois de plus, mais cette année il est encore mieux que les autres années. Ça va en s'améliorant parce que Sébastien Grosjean fait un travail formidable. Donc on a Joe Wilfried Tsonga qui revient, on a Medvedev et puis Richard Gasquet qui a déjà gagné deux fois le tournoi et qui est un peu le local de l'étape puisqu'il est né à Béziers, donc Béziers-Montpellier c'est à côté. Je ne me risquerai pas à donner un favori, ceci dit, si Gasquet gagne une troisième fois, ce sera un exploit. Il y a un tableau magnifique avec de grands joueurs, le niveau sera très, très relevé tout au long de la semaine. Ça commence dès demain à 10h30 sur le cours Patrice Dominguez et sur le cours numéro 1 avec les qualifications. Et puis lundi prochain avec le début aussi du tableau final. Donc voilà, venez nombreux parce qu'il y aura du spectacle à l'Arena de Montpellier.